On peut acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu vas te lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever dans sa présence. Ta présence. Tu vas lever juste les mains. Tu vas lui dire merci. Merci Seigneur d'avoir permis que je puisse être là ce matin. Tu m'as gardé, tu as renouvelé mon souffle de vie. La semaine n'a pas été facile, mais tu étais avec moi. Et ce matin, d'un cœur reconnaissant, je te dis merci. Dispose mon cœur et parle à mon cœur. Élève la voix et prie le Seigneur. Magnifique présence de Dieu. Dis-lui une parole. Magnifique. Dis-lui quelque chose. Dis-lui ce que tu ressens. Présence de Dieu. Dis-lui ce qu'il représente pour toi. Magnifique. Présence de Dieu. Magnifique. Dis Seigneur, merci. Magnifique. Je suis dans la joie d'être en ce lieu. Ma présence est magnifique. Dans la joie d'être dans ta maison. Dispose mon cœur, parle-moi. Rends-lui toute la gloire. Merci. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te magnifions, Seigneur. Nous te disons merci pour ta présence en ce lieu. Saint-Esprit. Dispose nos cœurs. Parle-nous. Instruis-nous, Saint-Esprit. Révèle-nous les choses cachées. Témoigne de Christ en ce jour. Fais-nous du bien, Saint-Esprit. Ta présence en nous est tout ce dont nous avons besoin. Ta présence, Saint-Esprit de Dieu, est tout ce qu'il nous faut. En ta présence, Saint-Esprit, nous sommes rassurés, nous sommes en paix. Nous sommes libérés de nos poids, de nos fardeaux. En ta présence, nous sommes en sécurité. Ta présence nous fait du bien et nous restaure chaque jour. Que la gloire te soit rendue. Continue de faire l'œuvre du Père en nous. Continue de glorifier le nom de Jésus-Christ en nous. Et que la gloire lui soit rendue à lui seul, en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen, on acclame Jésus. On acclame Jésus, c'est comme ça que tu acclames Jésus. C'est comme ça que tu acclames Jésus. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Amen. Dis le rejet de soi et le rejet des autres. On a parlé de beaucoup de choses dont je ne vais pas revenir là-dessus. On a vu la blessure du rejet et le masque du fuyant. On a vu la blessure d'injustice. Alléluia. Et le masque de la rigidité, gloire au Seigneur. On a dit que toute personne malade, alléluia, qui a une blessure, doit chercher à la guérir. Peu importe le masque que tu porteras, si tu ne prends pas soin de la blessure que tu as, tôt ou tard, tu auras toujours mal. Alléluia. Même lorsque les gens feront des choses pour te faire du bien, tu auras toujours mal. Pourquoi? Parce qu'en vérité, en toi, il y a des blessures. Les blessures depuis ton enfance, tes parents t'ont rejeté, ton père, ta mère, tes frères, tes amis, une relation, peu importe. Tu es blessé en toi. Ça ne va pas. Et cela t'emmène à avoir des masques, à avoir un rôle. Alléluia. À avoir des motivations qui ne sont point à la gloire de Dieu. Tu atteins certains objectifs, mais en vérité, tu es malheureux, tu es malheureuse, tu n'es pas heureux. Et au final, tu n'arrives même pas à être la personne que Dieu veut que tu sois.
et ça ne va pas. Et ça t'empêche d'être toi-même. Mais beaucoup de personnes vivent ce genre de choses. La dépression passe par là. Des gens se tuent. Des gens se jettent. Des gens sont malheureux. Des gens deviennent malades. Et ça fait des dégâts. Et c'est ce que nous sommes en train de traiter. Nous avons vu que ce fléau touche même les plus grands de ce monde. Personne n'est épargné. Et qu'il faut révéler cela et il faut le traiter. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de faire. Si tu es blessé dans la main, tu veux le cacher, tu portes un gant pour ne pas qu'on voie. Et au lieu de soigner, même si quelqu'un veut te tenir la main par amour, lorsqu'il te tiendra la main, tu auras mal. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a une blessure qui est cachée que tu n'as pas traitée. Même la manifestation de l'amour de ton prochain, tu le verras ça comme un problème. Alléluia. Pas parce que cette personne a un problème. Alléluia. Mais parce que tu es blessé et que tu n'as pas traité cela. Alléluia. Parfois, nous cherchons des coupables. Ah, je vis ceci, cela. Parce que mon père, parce que ma mère, parce que mon frère, parce que mon ex, parce que les gens, parce que telle personne ou telle personne a dit cela. Mais bien-aimé, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. Aujourd'hui, ce fléau ne se trouve pas seulement que dans le monde, même à l'église, on le trouve. Des responsables de section sont blessés parce que leur équipe les abandonne, les juge, sont toujours là en train de trouver des choses. Ils vivent aussi le rejet, ils vivent aussi l'abandon. Ça touche tous les niveaux. Des pasteurs aujourd'hui sont abandonnés, sont trahis. Alléluia, sont rejetés. Alléluia. C'est un fléau qui touche tout le monde. Des fidèles sont abandonnés par leurs pasteurs, par leurs responsables de section. C'est-à-dire que ça touche toutes les classes. Et derrière tout cela, nous sommes en train de lutter entre nous. Nous sommes en train de chercher des coupables. Nous sommes en train de chercher la faute est à qui. Mais en vérité, nous ne devons pas chercher de coupables entre nous. Parce que celui qui fait ça, c'est le diable. Éphésiens 6, à partir du verset 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Donc la Bible nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas en guerre avec notre frère, avec notre sœur, ainsi de suite. Même si quelque chose nous arrive, quelque part, c'est le diable qui est en train d'agir. Même si nous avons été blessés de par l'attitude, de par le langage d'un frère, d'une sœur, d'un serviteur, d'une servante, d'un parent, d'un ami. Derrière cela, la Bible dit que c'est le diable qui agit dans le seul but de nous détruire. Donc lorsque nous prenons conscience de cela, nous n'en voulons pas à notre prochain parce que l'erreur est humaine. Mais nous prenons conscience que derrière ce qui s'est passé, c'est le diable qui voulait détruire ma vie. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre avec la chair et le sang. C'est-à-dire qu'on n'a pas à combattre entre nous. On n'est pas en concurrence. On n'est pas. C'est-à-dire nous ne devons pas chercher à condamner l'autre. La Bible dit quoi? Romains 8, à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc même lorsque tu estimes que c'est de la faute à quelqu'un que tu veux le condamner, la Bible dit que ce n'est pas biblique. En Christ, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce qu'en vérité, nous savons. Qui fait ça? Il n'y a pas de condamnation. Pourquoi? Parce que peu importe notre faute, Christ est mort pour notre péché et pour nos erreurs. Donc la prise de conscience de cela doit nous emmener en tant que citoyens du royaume, pardonner notre frère ou notre sœur et non point le condamner. Vous me suivez un peu? Pourquoi? Parce que notre adversaire n'est pas notre frère, n'est pas notre sœur. Le véritable adversaire, c'est le diable. C'est lui qui fait ça. Alléluia. C'est le diable qui accuse. Nous ne devons pas être des accusateurs. Lorsque ça ne va pas dans notre vie, lorsque nous vivons certaines choses, nous ne devons pas. Oui, c'est. Non, oui. Et c'est clair que mon frère, il a parlé mal, il agit. Mais qui apporte le mal? Qui est la source du mal? C'est le diable. Peut-être que mon frère s'est fait avoir. Peut-être que mon frère s'est fait utiliser. Peut-être même mon frère ne s'est pas rendu compte. Peut-être qu'elle ne s'est même pas rendu compte que sa parole a dû blesser ou sa manière d'agir a pu blesser. C'est la maturité qui nous emmène à pouvoir prendre du recul face aux erreurs de nos frères et de nos sœurs et cibler le coupable. Alléluia.
Donc nous ne devons pas nous accuser. Non, il, elle. Non, arrêtez ça. Les temps sont mauvais. Nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux. Nous sommes des fils et des filles du royaume. Nous avons un langage. C'est le langage de l'amour. Nous avons un langage. C'est le langage du pardon. Nous avons un langage. C'est le langage de l'unité. Nous avons un langage. C'est le langage de la bienveillance. Nous avons un langage. C'est le langage de l'humilité. Nous avons un langage. C'est le langage de la joie, de la paix. Nous avons un langage. C'est le langage de la tempérance, de la maîtrise de soi face à des situations qui peuvent même nous blesser. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons le même père. Nous avons le même objectif. Alléluia. Nous sommes de la même famille. Et nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons faire des erreurs. Mais nous devons nous en prendre à celui-là qui agit ainsi. La Bible dit de lui en Apocalypse 12, à partir du verset 10. Alléluia. On l'appelle l'accusateur de nos frères. Alléluia. Celui qui les accuse, ou qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est le diable. C'est l'accusateur des frères. Donc, lorsqu'il y a trop d'accusations, non, le diable est derrière. Le diable nous accuse entre nous-mêmes. Le diable accuse. C'est-à-dire, il nous emmène à nous accuser, à trouver tous des coupables. Mais le diable également accuse Dieu en notre présence. Ce que tu vis, c'est parce que Dieu ne t'aime pas. Ce que tu vis, c'est parce que Dieu ne te calcule pas. Ou Dieu a des privilégiés. Dieu a ainsi de suite. Il passe son temps à accuser. Dans le seul but de diviser pour mieux régner. Alléluia. Alors comprenez que l'accusation ne sert qu'à rendre l'humain malheureux. Alléluia. Mais lorsque nous regardons avec compassion nos frères et sœurs qui souffrent, alors, je dirais c'est alors qu'ils commencent à se transformer et à changer à l'image de Christ. Lorsque nous avons de la compassion face aux erreurs de nos frères et de nos sœurs, lorsque nous manifestons le pardon, l'amour de Dieu, ça a une puissance, celle du Saint-Esprit, et qui peut changer la vie de ton frère et de ta sœur. Le changement ne vient pas en dehors de l'amour. Le changement ne vient pas en dehors de la compassion. Le changement se fait par l'amour, par la compassion et dans le pardon. Alléluia. On ne peut aimer sans pardonner. Dieu a pu nous aimer parce qu'il nous a pardonné en Christ. C'est lié, bien-aimé. Yeah. Alors, ce n'est plus le temps de toutes ces choses-là. Parce que le diable travaille. Depuis le sein des mères des enfants, il travaille. Il apporte des blessures. Des enfants ont des blessures de l'âme, des rejets. Beaucoup de personnes ont grandi avec ces blessures-là. Alléluia. Et Satan continue de régner. Beaucoup, par ces blessures, ont développé une énergie terrible qu'ils ont atteint certains niveaux. Mais lorsque on les écoute, en vérité, ils sont blessés, ils souffrent. Est-ce que vous me suivez? Alors ce matin, avant que je ne continue ma prédication, est-ce qu'on peut me mettre à l'écran? Alléluia. Ça va être la vidéo 3 minutes d'un grand homme selon le monde, un champion de MMA. Alléluia. Beaucoup le connaissent, Ngannou. Il a mené beaucoup de combats. Alléluia. Il a remporté beaucoup de ceintures, ou du moins la même ceinture. Mais au-delà de sa taille, au-delà de sa forme, au-delà de l'énergie qu'il a dégagée, au-delà du niveau qu'il a atteint, lorsqu'il se confesse, il est blessé. Au point que parfois, quand il est avec des gens du monde, il dit qu'il ne se sent pas bien. Il a peur. Il fuit. Le masque du... Il n'aime pas être lié à quoi que ce soit. Même au cadre de crédit où on paye et qu'après, on rembourse. Il n'aime pas être lié à ça. Ce n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. Mais lorsque cela est motivé par une peur,
c'est là qu'on voit qu'une personne est blessée. Donc, on peut atteindre des niveaux. D'autres peuvent dire, ça m'a construit, oui. Mais tu es blessé. Et ce qui n'est pas guéri en toi te rendra toujours malheureux et malheureuse malgré le niveau que tu as atteint. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, oui, il faut atteindre des niveaux très élevés, mais avec de bons fondements et tout en étant heureux dans le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut diffuser l'image? Oui, ma plus grosse peur, je pense que c'est l'engagement. Chaque chose qui m'engage et qui me tient, j'aime pas vivre en captivité. Tu parles en vie privée, vie professionnelle un peu? Dans tous les sens. Quand un truc m'engage, j'ai du mal. Par exemple, aux États-Unis, ils ont ici ce système de crédit card et de débit card. Le crédit card, c'est tu utilises avant de payer après. Donc, tu t'engages à payer plus tard. Moi, je préfère utiliser mon débit card où j'utilise l'argent qui est disponible. Même si j'ai l'argent pour payer la crédit card après, c'est un engagement. Et ce genre de truc, ça me fait peur parce que la limite de ça, c'est un peu dangereux. Et pourtant, aujourd'hui, tu ne manques pas d'argent. Oui, mais c'est un engagement. J'aime pas prendre des engagements peut-être sur des trucs mensuels. À la limite, je préfère payer à l'annuel et m'en débarrasser une bonne fois pour tous, une bonne fois pour toutes. Mais quand c'est mensuel, j'aime pas. J'ai peur de ce genre de choses. Oui, ça veut dire que ton passé, quelque part, est encore en toi et sera toujours en toi, finalement. Il y a des séquelles que tu pourras jamais effacer. J'aime surtout être seul. Je pense que ça encore, c'est mon passé, la solitude. J'ai vécu dans la solitude tellement que je me suis habitué. Et aujourd'hui, c'est très difficile de m'engager socialement. Ça me prend beaucoup d'énergie. Tu as une réserve toujours en permanence? Oui, en permanence. Et je pense que ça fait partie du fait que, pendant mon enfance, surtout lors du divorce de mes parents, j'ai vécu dans plusieurs maisons et je faisais à peine 9 mois dans une famille et je devais bouger. Et à chaque fois, j'étais nouveau, il fallait prendre du temps pour se faire des amis. Et j'étais toujours l'étranger et un peu rejeté par les autres enfants, surtout que ma situation sociale ne me favorisait pas, vu que j'étais l'enfant qu'on devait à chaque fois chasser de l'école parce qu'il n'avait pas de stylo ou de cahier ou parce qu'il n'avait pas payer la scolarité. Donc ça fait qu'à partir de ce moment, je n'étais pas un bon profil pour les autres enfants. Ils n'avaient rien à envier de moi. Donc du coup, je n'étais pas ami ni à la maison, ni à l'école, ni nulle part ailleurs. J'ai essayé pendant très longtemps de me faire des amis, de m'intégrer et ça a été très très difficile. À chaque fois, il fallait recommencer, bien qu'il y avait quand même ce côté rejet. Je pense qu'à un moment, pour m'auto protégé, j'ai accepté inconsciemment, j'ai accepté la situation et je n'ai plus essayé. Et il s'avère que je me suis habitué à ça. Et aujourd'hui, ça ne me dérange pas d'être seul. Parfois, je finis mes entraînements le samedi matin ou après-midi, début d'après-midi. Je rentre chez moi, je reçois lundi pour aller aux entraînements. Je suis confortable. Et très souvent, après avoir dit non aux invitations, parce que ça me dérange, et même quand j'y vais aux événements ou en sortie, à un moment, il faut que je me retire pour me recueillir, sinon je me retrouve, sinon je m'étouffe. Il faut que je me retire de la masse pour me recueillir, que je sois seul avec moi-même, sinon je me noie. Seul avec moi-même, sinon je... C'est le masque du fuyant. Je me noie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, il dit, le rejet que j'ai pu avoir lorsque j'étais enfant, il atteint des niveaux. Et ce qu'il dit parfois, c'est pas mauvais. Vous comprenez un peu? Fais attention aux cartes de crédit, tout ça. Mais au fait, je veux attirer votre attention sur ce qui se passe en lui, le fondement. Au fait, c'est quelqu'un qui n'est même plus bien. Socialement, il a du mal. Même quand on l'invite, il ne va pas. Même quand il est quelque part, il faut qu'il se retire parce qu'il a peur, il s'étouffe. Quelqu'un qui fait des combats. Vous voyez? Donc, vous allez voir que comment notre ego, dans notre âme, peut nous emmener à atteindre certains objectifs. Et les gens nous acclament, mais en vérité, nous souffrons. Voilà pourquoi vous allez voir des stars dans le monde qui réussissent, qui ont toute la gloire, mais on entend qu'ils se suicident. Parce qu'en vérité,
ces personnes-là souffraient. Au-delà du niveau, au-delà de la performance, au-delà de ce qu'ils ont atteint, ces personnes-là sont malheureuses. Et ces personnes-là, parfois, sont obligées de se droguer, sont obligées de consommer de la drogue, de trouver des moyens qui vont les emmener à oublier leur situation, leur passé, leur enfance, et à passer à autre chose. Vous comprenez? Et on trouve que demain, ces personnes-là ont fait des overdoses, mais parce que ces personnes-là souffraient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous devons avoir beaucoup de compassion. Dis, nous devons avoir beaucoup de compassion. Pour nos frères et sœurs. Voilà pourquoi lorsque tu vois un comportement, une attitude, parfois qui n'est point à la gloire de Dieu, ne juge pas tout de suite, n'accuse pas tout de suite. Est-ce qu'on peut calmer les enfants derrière, s'il vous plaît? Ne juge pas tout de suite. Alléluia. N'accuse pas tout de suite. La première des choses que tu dois avoir, c'est de la compassion. Alléluia. Tu veux dire que peut-être que quelque part, cette personne a besoin d'aide. Alléluia. Et qu'il faut vraiment être suffisamment patient pour avoir de l'impact dans la vie de cette personne-là. Alors aujourd'hui, comme le temps est parti, nous allons parler brièvement de la blessure d'abandon. Alléluia. Gloire à Dieu. La blessure d'abandon, l'éveil de cette blessure est entre 3 ans. Alléluia, entre 1 an et 3 ans, ça commence là, avec le parent du sexe opposé, le plus souvent, mais ça peut être aussi le parent du même sexe, alléluia. L'enfant qui a souffert Amen. C'est vous tranquillement, on acclame Jésus. Donc, c'est un enfant qui a souffert de ne pas se sentir soutenu par ses parents. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est un enfant qui a besoin d'amour et d'affection. Et lorsque ses parents ne le soutiennent pas dès le bas âge, l'enfant commence à développer ce qu'on appelle la blessure de l'abandon. Alléluia. L'enfant manque de nourriture affective. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ou cette personne a reçu une forme d'affection non chaleureuse ou différente de ses attentes. Alléluia. Je fais bref. Donc c'est un enfant qui a besoin d'amour. C'est un enfant qui a besoin d'affection. Et depuis l'âge de 1 an jusqu'à 3 ans, il n'a pas cet amour-là. Il n'a pas cette affection-là de ses parents, ou du moins, même si l'enfant a de l'affection et de l'amour de ses parents, ce n'est pas au niveau qu'il espérait. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il est blessé, il va avoir ce qu'on appelle, il va porter un masque qu'on appelle le masque du dépendant. Vous allez le voir plus tard. Et la plus grande peur d'une personne qui vit la blessure d'abandon, alléluia, sa plus grande peur, c'est la solitude. Cette personne ne souhaite pas être seule. Est-ce que vous me suivez un peu? Elle a peur d'être seule. Voilà pourquoi cette personne-là fera tout pour être toujours avec quelqu'un. Même quand cette personne-là souffre, même si cette personne-là se fait maltraiter par un partenaire, par une partenaire, par un ami, mais la peur de se retrouver seule emmène cette personne-là toujours s'attacher et à toujours dépendre de cette personne-là. Pourquoi? Parce que celui ou celle qui a la blessure d'abandon ne veut pas se retrouver seul. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons voir que des hommes lâches qui battent leur femme. Alléluia. Je dis lâche parce que c'est vraiment lâche. Alléluia, de battre une femme. Gloire au Seigneur. La femme, l'être, je dirais, après le Seigneur en tout cas, que tout homme doit honorer. Elle donne la vie, elle porte la vie. Et tu ne dois pas honorer seulement que ta femme, mais tu dois honorer toutes les femmes. Parce qu'elles sont porteuses de vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est très lâche de battre une femme. Mais vous allez voir que il y a des femmes qui subissent des coups
mais parce que depuis leur enfance, elles ont la blessure de l'abandon. Elles n'ont pas eu suffisamment d'affection de leurs parents, de la mère ou du père, qu'elles ont porté le masque du dépendant. Elles ne veulent pas se retrouver seules. Donc elles sont prêtes à subir la douleur rien que pour être toujours en compagnie. Mais au final, on voit que malheureusement, ces femmes-là, quand ça dégénère vraiment, elles perdent la vie. Mais derrière cela, qui est derrière cela? Est-ce que c'est le mari? Il a été juste un instrument. Mais c'est le diable. C'est qui ôte les vies? C'est qui les égorge? C'est le diable. Vous me suivez un peu? Donc ça veut dire que le diable, déjà dès ta conception dans le sein de ta mère, a commencé à créer des blessures dans ta vie dans le seul but, plus tard, de te manipuler et de détruire ta vie. Vous me suivez un peu? Et les parents, parfois, qui ne font pas attention parce que ce n'est pas volontaire, et aussi, ils ne font pas attention à l'enfant qui est là. Vous savez, la blessure d'abandon peut se ressentir de façon mais facile pour un enfant. Admettons, c'était le seul fils unique au départ. Il est le premier garçon. Donc, la mère s'occupait de lui. Ou elle est la première fille. La mère ou le père s'occupait de cette personne. Mais du jour au lendemain, la maman a eu un autre enfant. Donc, il faut que la maman aussi s'occupe de l'autre enfant. Et si, malheureusement, le second enfant tombe beaucoup malade, ça va faire que la mère ou le père, ils sont vraiment portés sur cet enfant. Ils ne font pas attention. Je le dis parce que vous devez faire attention. C'est à partir de là, l'enfant se dit, ah, mon père ou ma mère commence à m'abandonner. Et à un moment donné, il va se dire que, ah, peut-être que ça restera toujours comme ça. Donc, sans que le père ou la mère l'ait souhaité, indirectement, l'enfant commence à développer la blessure de l'abandon. Vous me suivez un peu? Ça peut être un père et une mère qui travaillent beaucoup. Ils n'ont pas forcément le temps. Donc, l'enfant, nounou, garderie, grand-mère. Pour toi, tu fais bien. Mais l'enfant, alléluia, peut commencer à développer la blessure d'abandon. Non, c'est la vie, c'est la France, c'est pas facile, on n'est pas au bled. Hey, tu dois avoir du temps pour ton enfant. Si tu n'as pas le temps pour ton enfant, le diable va s'en charger. Vous ne devez pas avoir des plannings, des boulots qui vous empêchent de passer du temps avec vos enfants. Parce qu'être parent, c'est une responsabilité. Je parle aux adultes, mais je parle aussi à ceux, aux jeunes qui veulent se marier, qui veulent avoir une famille demain. Être parent, c'est une responsabilité. Donc, vous travaillez, faites ce que vous voulez, mais vous devez avoir du temps avec vos enfants. Si vous ne vous en occupez pas, le diable va s'en occuper. Au final, vous-même, vous allez souffrir de voir vos enfants ce qu'ils deviennent et ce qui se passe dans leur vie, tout en étant impuissant. Parce que le temps où vous deviez être dans leur vie, auprès d'eux, vous n'étiez pas là. Quelle est l'ambition? Qu'est-ce que tu recherches au point de laisser ta famille comme ça? Vraiment. Le statut a plus de valeur que la famille? Que l'humain, l'argent, quoi? Les amis, qu'est-ce qui vous emmène parfois à ne pas être à votre place de mère ou de père? L'éducation des enfants se fait avec deux parents. Si c'était qu'un seul parent, Dieu allait créer seulement que Adam, c'était fini. La femme ne peut pas prendre la place d'un père. Alléluia. Même si aujourd'hui les mamans se battent lorsqu'elles sont seules pour jouer ce rôle-là, mais elles manifestent quelque chose qu'elles n'ont pas. Et indirectement, encore le diable travaille parce qu'elles vont devenir ce qu'elles ne sont pas en réalité. En gros, les situations dans lesquelles nous mettons les femmes les emmènent à devenir des hommes et à ne pas développer le potentiel féminin que Dieu a mis en elles. C'est de façon subtile, hein? Nous courons après beaucoup de choses. Mais nous rendrons compte à Dieu parce que les enfants qui sont dans notre famille, dans notre foyer, sont les enfants de Dieu. Nous sommes les parents par intérim. Quand nous allons monter, tant bien même que nous sommes sauvés, nous allons rendre compte de notre responsabilité vis-à-vis de notre famille. Alléluia.
Donc très vite, l'enfant peut ressentir la blessure d'abandon. Et il grandit avec cela. Il porte un masque et il grandit avec cela. Quand il grandit avec cela, le masque a pour objectif, n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas suivi, les enseignements sont sur YouTube, MDC, Maison du Chandelier, pour être à jour. L'enfant porte un masque dans quel but? Pour se protéger. C'est-à-dire que c'est une personne qui a vécu quelque chose de douloureuse. Et cette personne ne veut plus revivre cela. Donc pour ne plus revivre cette chose, la personne porte un masque. Et dans ce cas de figure, c'est le masque du dépendant. C'est-à-dire, la personne ne veut tellement plus revivre ce qu'elle a vécu quand elle était enfant. Revivre la solitude. Que la personne, elle est prête à s'attacher à n'importe qui. Même si elle souffre, même si elle est ou il est dépendant. La personne n'arrive pas à prendre des décisions seule. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui est là. La personne n'arrive pas à avancer. Non, il faut que toujours les gens décident. Il faut que tout le monde parle. Parce que la personne est blessée. Un enfant malade, quand on amène à l'hôpital, la blessure de rejet peut commencer parce que si toutefois dans la semaine ou dans le mois, il déconnait, ses parents le réprimandaient, il est tombé malade, les parents prennent l'enfant et déposent l'enfant à l'hôpital. Et il laisse l'enfant. L'enfant peut ressentir l'abandon là. Il ne va pas comprendre, mais pourquoi mes parents me laissent là? Alléluia. Et même si vous visitez l'enfant, il suffit que l'âme a enregistré cette blessure là. Il trouvera que ce n'est pas assez. Et il ne comprendra pas pourquoi vous l'abandonnez à l'hôpital pour entrer à la maison. Est-ce que vous me suivez? Ça peut venir de partout. Et le diable a géré cela. C'est pour ça que vous devez être présent auprès de vos enfants. Même s'il arrive des situations où ils doivent aller à l'hôpital, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, ils ne ressentiront pas l'abandon. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, vous êtes là pour vos enfants. Vous êtes présent pour leur éducation. Et aujourd'hui, on voit des hommes de 30 ans, des femmes de 30 ans, voire plus 40 ans, 50 ans, qui ont des blessures, qui n'arrivent pas à avancer. Mais cela a commencé depuis l'enfance. J'ai dit que les élites de demain sortent des foyers. Et les meurtriers de demain sortent aussi des foyers. Ça veut dire que lorsque les parents jouent leur rôle, nous créons des personnes qui impactent des générations positivement. Mais lorsque les parents ne jouent pas leur rôle, alors nous créons des dépressifs. Alléluia. Nous créons des personnes problématiques pour la société. Pourquoi? Parce qu'ils vont reproduire ce qu'ils ont vécu. Et ils vont manifester le masque qui est rattaché aux blessures qu'ils ont pu expérimenter depuis leur enfance. Alléluia. 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 Une mère qui est toujours malade et un père qui est toujours occupé, cela peut créer aussi la blessure de l'abandon dans le cœur, alléluia, et dans la vie de l'enfant. Ça, on ne peut pas prévoir, il arrive que les parents sont malades. Mais lorsque l'un des parents est malade, l'autre doit jouer son rôle. Mais il y a des parents, la mère, elle est malade ou pas, il n'a jamais le temps. L'enfant est livré à lui-même et l'enfant est obligé de se débrouiller. La blessure d'abandon vient là. Alléluia. Il y a aussi le décès des parents. Une fille fusionnelle à son père. C'était son héros. C'était son conseiller. C'était son ami. Et du vivant, le père avait toujours dit que je serai toujours avec toi, ma fille. Je veillerai sur toi. Du jour au lendemain, le père tombe malade et il meurt. Et l'enfant ne voit plus son père. Et l'enfant peut prendre cette situation pour de l'abandon. Papa n'est pas resté avec moi. Papa est parti. Qu'est-ce que je deviendrai? Papa était là pour ça, pour ça. Maintenant, il n'y est plus.
maman n'y est plus, que deviendrai-je? Alléluia. Satan profite de cette situation et sème la blessure de l'abandon. L'enfant se sent abandonné. J'ai eu des histoires où il y a eu la guerre au Congo. C'est une histoire qui m'a été racontée. Et c'était une famille avec leur mère et leur père. Ils avaient l'opportunité de sortir du Congo rapidement. Et le père n'a pas voulu sortir. Il a dit non, il ne lui arrivera rien. Alléluia. Que, allez-y. Le fils, l'un des fils aînés, il a dit non, papa, on y va. Tout était réuni. Il y avait la fille qui était enfant, bébé. Tout était réuni pour partir. Il dit non, il n'y arrivera rien. Voilà, allez-y, allez-y. Il est resté. Malheureusement, il a été tué. Mais le garçon a vécu mal l'attitude de son papa. Il a vécu ça comme une blessure. Parce que papa avait l'opportunité de partir avec nous. Il avait l'opportunité d'être en vie. Il nous a abandonnés. Est-ce que vous me suivez un peu? Et cette personne grandit avec cela. Et quand j'étudie la vie de cette personne, j'ai vu que dans sa marche, cette personne était beaucoup attachée avec des personnes qui lui ont fait le plus mal. Pourquoi? Parce que la personne a la blessure de l'abandon. Et le masque que cette personne porte, c'est là, c'est le dépendant. Donc même si une femme fait du mal, il va chercher toujours à être approché jusqu'à ce que les choses même se gâtent. Pourquoi? Parce que cette personne a une blessure. Vous voyez un peu d'où ça peut venir. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous devons faire attention. Des parents qui abandonnent leurs enfants. Nous ne faisons pas des enfants pour les abandonner. Vous devez être des pères responsables et des mères responsables. Parce qu'un enfant, quand il grandit, il a besoin de ses parents, alléluia, pour évoluer, pour avancer. Beaucoup de femmes ont abandonné leur enfant à la naissance. Beaucoup d'hommes ont abandonné leur enfant à la naissance. Beaucoup, même les enfants ont grandi, mais à un moment donné, le père a eu une autre femme dehors. Et le père est parti. L'enfant avait 6 ans. 7 ans, 8 ans, l'enfant a vu cela comme de l'abandon. L'enfant était au courant de la trahison du père ou de la trahison de la mère. Maman a préféré aller avec un autre homme. Elle nous a abandonnés. Alléluia. Il grandit avec une blessure. Il grandit avec un masque. Et sa vie tout entière sera un rôle, alléluia, qu'il va porter, un masque qu'il va porter pour s'éviter de souffrir. Alléluia. Mais il demeure toujours blessé. Et sans s'en rendre compte lui-même, il se fait du mal. Parce qu'il va attirer toujours des mauvaises personnes comme ça. Et il va s'accrocher à ces mauvaises personnes-là. Et ces mauvaises personnes-là seront des canaux entre les mains du diable pour détruire leur vie. Et ces personnes-là vont perdre du temps. Elles vont peut-être même s'accrocher à des personnes, mais ces personnes, tôt ou tard, vont les abandonner. Ou si ces personnes ne les abandonnent pas, ces personnes vont les prendre leur vie. Et ça, c'est le diable qui fait ça. Alléluia. Une fille qui est fusionnelle avec son père, du jour au lendemain, il va croire son père au supermarché. C'est de là vient aussi la blessure de la trahison que nous allons voir la semaine prochaine. La blessure de l'abandon et la blessure de la trahison sont liées. Alléluia. Et nous allons voir leur lien. Mais les enfants très, très tôt se sentent trahis et se sentent abandonnés dû au comportement de ses parents ou dû au comportement de la personne qui était censée jouer le rôle de parent. Et aujourd'hui, dans leur vie, parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas traité cette blessure,
quand ils sont avec de mauvaises personnes, un mauvais compagnon, une mauvaise amie, un mauvais ami ou quelqu'un qui les abandonne, qui les trahit, alléluia, qui les trahissent. Mais vous allez voir que ces personnes-là vont dégringoler. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y avait une blessure qui était recouverte par un gant, qui était recouverte par un masque, mais qui n'a pas été traitée. La personne peut ne pas être bien. Donc la semaine prochaine, nous allons voir les attitudes. Nous allons voir le comportement de la personne qui vit le masque du dépendant. Vous allez voir, c'est fort. Alléluia. Nous allons voir la blessure de la trahison et le masque que cette personne porte, qui est le masque du contrôlant. Mais j'ai dit que tout commence et tout a commencé en famille. Quand une femme développe plus d'hanches, c'est démontré scientifiquement. Pourquoi c'est fait? Quand un homme développe plutôt le haut, l'épaule, vous allez voir. Parce que le corps va traduire. Je ne parle pas de ceux qui sont allés prendre... Amen. Je parle de naturellement. C'est-à-dire que l'être intérieur de l'homme va faire ressortir à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous me suivez. Et Dieu a fait les choses de sorte que nous puissions savoir lorsque quelqu'un va bien et quelqu'un ne va pas bien. Et pourquoi nous devons le savoir? C'est afin que nous puissions soutenir ces personnes-là, pas pour les juger. Pour passer un truc.